Ouais, salut les oiseaux, c'est Parano, on se retrouve aujourd'hui pour le troisième épisode sur Killzone Shadowfall. J'espère que vous allez bien, moi j'ai toujours la patate. On se retrouve pour ce troisième épisode sur l'intégrale. Alors je voulais juste faire une petite parenthèse au niveau des journaux audio. On va parler, là vous n'entendez rien, je sais pas s'il faut faire une petite manipulation sur la console pour faire sortir directement dans le casque. Pour info, en fait, ces journaux audio sortent directement via la manette. Bien sûr, j'ai coupé le son parce que c'est vraiment juste horrible. C'est une des fonctionnalités qu'ils ont rajouté sur la PS4, c'est qu'il y a des petits haut-parleurs en fait sur la manette. Ils ont fait une manette assez, on va dire, swag. En soi, un truc bling bling, je vais dire plus une manette. Il y a des fonctionnalités qui servent un petit peu à rien, comme les faisceaux verts. Là, il y a une sorte de néon sur la manette qui use plus la batterie qu'autre chose. C'était un petit truc que je voulais juste signaler. C'est vrai que c'est joli. Les petits haut-parleurs aussi dessus qui ne servent un petit peu à rien, mais bon, il n'y a rien de grave. Quoi? C'est bon, t'inquiète. C'est bon. Casse pas la tête. Je te dirai tout à l'heure. Je suis en train d'enregistrer là. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Je me rappelle plus du coup. Ouais, j'ai ma femme qui a fait la petite apparition. On s'était arrêté où alors? Il fallait qu'on fasse la deuxième phase. Fallait qu'on fasse le petit truc. Alors je vous raconte même pas. Aujourd'hui c'est un petit peu le why. Il y a pas mal de soucis via YouTube. Je pense que si vous suivez un petit peu l'actualité sur Twitter et tout, il y a pas mal de gens qui se font, qui ont beaucoup de droits d'auteur. Pour ma part, moi j'en ai eu presque une trentaine. Et j'ai des collègues comme Mex et tout ça qui a presque toutes les 10 minutes, un quart d'heure, ils ont des grosses, grosses, grosses vidéos avec des droits d'auteur. Donc on a passé toute la journée à contester les vidéos. Bref, je pense que vous entendrez parler de tout ça bientôt. YouTube sont en train de faire des n'importe quoi. Je vais pas vous mentir, je pense que d'ici peu, si ça continue comme ça, je vais faire que uniquement des lives et faire que des rediffs sur Dailymotion parce que je pense que ça devient vraiment n'importe quoi. Alors attendez, le cap du vaisseau, ça c'est bon, c'est fait. Mais on n'est pas là pour parler de ça. Ok, là il fallait que je pète. Ok, bon, il faut que je me concentre. Un petit peu. Ils sont où les chacals? J'ai vu qu'il y avait des mecs en bas. Hein? Ils sont là. J'espère que vous allez bien ou sinon vous, hein? C'est vrai que. Ouais, mais je peux pas tirer de l'acier. Ok. En tout cas, ça me fait extrêmement plaisir encore une fois de vous retrouver sur ce Killzone et sur cette nouvelle console. T'as raison, sors la tête. Alors pour ma part, au niveau de la difficulté, je vais chercher un petit truc pour me rattraper un petit peu. C'est vrai qu'au niveau de la maniabilité, quoi, la sensibilité sur la console, je jouais en 720p fenêtré. Et le truc, c'est que ça n'a plus rien à voir maintenant que je joue en plein écran en 1080p. J'ai l'impression que c'est pas du tout pareil. C'est pour ça qu'il faut que je me réhabitue. Mais vous inquiétez pas, ça va vite se faire. Rien de très très grave. Au niveau de YouTube aussi, pour revenir vite fait à 2-3 petits trucs qui commencent à m'énerver. Au niveau de la qualité des vidéos, je suis très pointu sur ça. Je suis un petit peu perfectionniste même. J'essaye de faire en sorte que les vidéos soient jolies, du moins un maximum. Et quand je vois que je passe des heures et des heures de rendu pour des vidéos qui durent 40 minutes tout au plus et que YouTube me les pixelise à mort, franchement j'ai juste envie de péter un câble. Donc j'ai augmenté encore un peu plus la qualité des vidéos. Normalement je pense que ça devrait se ressentir et si ça se ressent pas, c'est que je sais plus quoi faire. Au bout d'un moment, faire des vidéos, faire des rendus de 2 heures pour des vidéos de 30 minutes, voilà ça va 5 minutes, vous voyez ce que je veux dire? Donc là ça commence vraiment à m'énerver. C'est mon petit coup de gueule du moment là, c'est vrai que YouTube là, je sais pas ce qui se passe, il y a tout qui part en vrille. Il s'étonne que les gens partent tous sur Dailymotion, en même temps Daily ils arrangent rien aussi. Moi je comprends pas, je serais une entreprise comme Dailymotion, je verrais que YouTube part en vrille, fait n'importe quoi avec. Oh! Ouh, je vais me casser la gueule. Ah, il y avait un truc là-bas. Je verrais que je vois que Dailymotion, que YouTube fait n'importe quoi avec ses. Avec les gens, moi directement, ce que je ferais, c'est de. C'est d'essayer de tout faire pour attraper toutes les personnes qui sont sur YouTube. Je sais pas, moi je.
Après eux non, j'ai l'impression qu'ils ne font pas ça, ou du moins je sais pas comment ça se passe. Alors, si ça se passe comme ça. Ok, on va y aller doucement, hein, je vais pas vous mentir. Sinon c'est toujours une perle ce jeu, quoi, une perle graphique. Au niveau du gameplay, il n'y a rien d'extraordinaire. Quoi? C'est passé quoi? Oh, je me suis shooté mon gars. Ouais, d'accord. Et où le dernier? Il est là. Ou sinon, quoi dire, sur le coup, c'est vrai que là, j'ai passé toute la journée à contester plein de vidéos. Je vais pas vous mentir, je suis un petit peu... je suis remué. Je me suis dit, c'est mon jour de repos, je vais profiter, je vais faire pas mal de vidéos et tout ça. Et au final, voilà quoi. C'est pas... Il passe un truc devant moi? Ouais, il passe un truc. J'aurais dû basculer sur la gauche, parce que... Oh, je suis mort deux fois comme un con, c'est pas grave. Ok. La sortie, elle est où? Ok. Pour voir que c'est très beau, hein. Franchement, encore une fois, les effets lumineux et tout ça, c'est magnifique. Ouais, j'ai un petit peu fail au niveau de la sortie du complexe là, mais c'est pas grave, on passera. Shadow fail. Alors, qu'est-ce qui se passe? Point de contrôle. Ah, j'ai pas piraté ça. Et franchement, oh, la mode lumineux comme ça, c'est juste une dinguerie, quoi. Réacteur activé. Puissance d'acteur à 100%. Moteur qui sait que tu vas mourir. Activé. La ferme. Ouvre. Vas-y. Allez. Hussard, Spirit. Cap du vaisseau fixé sur le soleil. Je viens de voir Massa, une personne non identifiée, entrer dans le labo. À vous. Ça va, je t'ai vu toi là-bas. Comment ça, tu es en profondeur? Il y a des gains là. Des gens? Où sont? Où sont? Où sont? Vous avez dit que ça allait s'améliorer petit à petit. Wow, les petits. Les conduits qui pètent là, c'est. Non, ça pète pas. Il y avait des flammes, je sais pas comment. Comment tout cela s'est produit. On va installer d'ici maintenant qu'on a tout activé. Ça a se verrouillé. Début de la transition progressive de pression. Égalisation terminée. D'accord, allez, on est parti. La mission se passe au milieu. Il faut retourner en plein milieu du vaisseau, d'accord? Hop là. Accéder à la Ça a zone. Se verrouillé. Début de la transition.
transition progressive de pression. Égalisation terminée. J'aime bien ce truc de pression comme ça là, genre qui remettent l'air dans le conduit là. Ok, c'est par ici que ça se passe. Tout est prêt? Test armement 224, HA série 6. Le sujet est un Hellgast de 33 ans, pas d'antécédents médicaux. Lancez l'exposition! Hé, hey, c'est quoi ce truc? Vous faites quoi? Examinons les chiffres. Normal quoi. C'est le scientifique qu'on recherche actuellement, qu'on a vu se faire maltraiter par une femme juste avant. Franchement, c'est vrai que les humains ont pas l'air si clean que ça dans l'histoire. Et s'ils veulent masquer tout ça, en fait, étouffer l'histoire, c'est qu'il se passe un truc un petit peu louche. Je ne connais pas trop la suite, donc je veux pas non plus m'avancer. Mais c'est vrai que les humains ont pas l'air si gentils que ça. Vous faites des expériences sur nous? Vous me dégoûtez tous. Je suis venu ici pour détruire tout ça. Ne mens pas, tu es là pour étouffer la vérité. Détruire Algan ne vous a pas suffi. Je ne laisserai pas d'autres innocents mourir. Où est Massar? Massar répondra de ses actes. Tes chefs également. Elle est ici. Elle a capturé Massar. Tu peux encore les arrêter, mais tu dois faire vite. Ok, c'est pas plutôt bien, elle. Ah, ça, c'est un truc qui m'avait fait grave kiffer. Regardez-moi ça. L'acier qui fond. C'est vraiment super bien fait. Mais bon, pour le coup, ils auraient pu faire fondre aussi le sol. Ça aurait été pas mal. Mais non, c'est super bien fait, le coup du soleil, là. Tire dessus. Ce que je vais faire, ce que je m'amuse à faire, il est où lui? Je le vois pas. D'accord, il est là. C'est vrai que c'est très efficace hein, ce petit truc pour repérer les ennemis. C'est vraiment un truc de dingue. Et là au niveau, on va ouvrir juste un petit peu les fenêtres pour les faire un petit peu brûler. Je trouve ça rigolo en soi. Allez hop, on se casse. Oula. Elle est brûlée les gars. Ah d'accord, je peux pas. Il y avait un truc qui devait se passer là. On dirait que non. Ah si si. Oulala, lui avec le fusil à pompe, j'aime pas beaucoup. Tu es où mon ami? On joue au cache-cache? Ok. Allez, c'est bon, c'est reparti.
Donc comme je vous disais, hein, c'est vrai qu'il y a pas mal de moments de creux, on va dire, entre guillemets. Il y a pas mal de moments où ça bourrine, mais il y a aussi des petites des phases d'exploration, même si ça reste quand même jeu couloir. Hein. Alors c'est par où qu'il faut aller, c'est par là. Oh putain. Ouais, essaye de m'allumer toi. Des mecs qui me tirent dessus, non ça va. Quoi? Oh putain, j'ai pas vu lui. D'accord. Alors on peut se servir de l'adrénaline pour se soigner aussi. Ce que je n'ai jamais fait encore, je sais pas du tout comment ça la fonctionne. On va recharger un petit peu l'arme. Tiens, mange. Oh putain! Attends, Mori, attends, parce que là c'est un petit peu chaud. J'ai rechargé les armes et j'y retourne. Putain, je vais me faire allumer. J'ai voulu faire le fou avec mon sniper juste pour troller. Bah, vous avez compris que Owl sert aussi de l'heure. Et les effets qu'il produit quand. C'est juste hallucinant. Elle a dû effectuer le lancement de toutes les nacelles de secours. Reçu. Je cherche une autre issue. L'équipe se prépare à réceptionner. Équipe de sauvetage en route. Tiens bon. Conduisez-la dans les cellules. Tu n'es pas comme les autres. Qu'est-ce que tu as dit? Tu es différente. Je connais les Helghast. Mieux qu'ils ne se connaissent. Ils possèdent une essence. Et toi, tu ne l'as pas. Tu es souillée par un autre sang. Si tu me donnes un échantillon, je serai ravie de t'indiquer le pourcentage vecteur dans ton génome. D'après moi... c'est plus de la moitié. Emmenez-la! Immédiatement! Vous allez tous mourir. Avant de te suivre, mec, j'ai envie de regarder un petit peu. Waouh!
C'est juste hallucinant. Donc, chose que j'avais faite la première fois quand j'avais joué au jeu, c'était me mettre près du bord. Et quand j'ai vu ça, j'ai juste fait waouh. Franchement, là, ça envoie du lourd. Sérieux, je trouve que c'est très très beau. Mis à part ceux qui me cassent les yeux. Mais je trouve franchement, voilà, le fameux mur. C'est juste hallucinant. Y a rien à dire. Ça circule vraiment beaucoup aujourd'hui. C'est inhabituel. De nombreuses unités ont été réquisitionnées. C'est l'attente qui est franchement pénible. On ne passe pas sans autorisation. Non. Maintenant que vous êtes là, on va s'accélérer, hein? Ouais. Ouais, c'est mieux que rien. C'est par ici. Désolé, ce n'est qu'une formalité. Ah, j'ai bien aimé là. Donc, on voit notre visage. Ok, c'est bon. Allez-y. Je crois que ça sera la seule fois où on le voit. Après, je sais pas dans le jeu comment ça se passe. Il est super génial. Non mais je t'assure. Ouais. Alors là, on est dans la fameuse scène qu'on avait vue lors de l'E3, hein, la fameuse scène qui nous avait fait tous baver. Moi, je me rappelle, elle m'avait fait saliver cette scène. C'était la première fois que je voyais le jeu tourner. J'étais assez impressionné, d'où mon achat aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? Et donc, si je me rappelle, je crois qu'il y en avait un vers là-bas. Je sais pas si je l'ai eu. Vraiment hallucinant. Très choquant cette petite scène. Alors il n'y a rien. On va vite se dépêcher d'y aller. Donc je vais essayer de reproduire la même chose que j'ai vu lors de l'E3. J'ai vu qu'il y avait une arme au sol. Ouais. Ah mais c'est un sniper, non j'ai pas envie. Il est là. Ok. Il y a tout qui s'écroule. Je savais bien qu'on pouvait se camoufler comme ça. Je me rappelais plus. Je dirais que ça va. J'aimerais bien trouver une arme là, une mitraillette, quelque chose, parce que là. Ah ben voilà. Non, je vais prendre ça. Sélectionner le mode de tir secondaire. Ah, je savais pas qu'il y avait mode de tir secondaire. Oula, 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 oula.
que... Ça pète pas ça? Non, ça pète pas. Dommage, ça m'aurait fait kiffer. Je crois pas l'avoir tué lui, je sais pas où il est. Il est même juste en bas, je sais pas comment on fait pour descendre. Mais par là. Oula. Oh putain, mais ils arrivent. Ils arrivent à gogo à chaque fois. Il est où? Pas mal fait ça, franchement c'est énorme. Y a pas des mines qui traînent quelque chose? Ouais non, je suis pas trop fan de... Je préfère rester... Par contre au niveau secondaire, au niveau des armes ça commence à faire just là. Les vitres et tout ça, c'est juste hallucinant. Oh, je vais me faire tuer à cause de ça. Bon, là, ça chauffe dur. Là, t'as pas fait tomber une arme, gros? Même pas. Objectif, vas-y, Owl, fais le taf. Shadow 1-8, ici Pulsar. 1-8, j'écoute. Est-ce que ça va? Tout va bien. Content de vous entendre. J'étais en approche au moment de l'explosion. Tu étais loin? À l'extérieur. Merde, c'était moins une. Où en sommes-nous? On a perdu l'ordinateur central. Il est sous leur contrôle. On signale plusieurs attaques dans toute la ville. J'ai besoin de toi ici. Reçu, j'arrive. Je bascule sur TAC 1. Allez, c'est parti. Oh putain. Je reprends les tirs. Couchez-vous. T'as aimé ou pas, bâtard? Va se passer quoi là? Tirez pas. Marshall, Sinclair est dehors. Il veut vous parler. Ok. Chef, par ici, monsieur. Sinclair est dehors. Merci, Michael. Oh putain. Les gens, ils sont KO technique. Regardez-moi ça. Ils nous ont défoncé l'intérieur, un truc de malade là. C'est des terroristes! Ils ont fait des sales trucs, hein, franchement, juste énorme. C'est vrai que cette petite phase, on l'avait vue lors du. Lors de l'E3. Bon, ils étaient pas allés jusqu'ici, mais je me souviens pas du moins. Hop, y'a une femme qui crie à l'aide. Donc c'est vraiment dévasté. Hein. On va voir, c'est clair. Je veux savoir quand les données sont verrouillées. On a combien d'hommes à l'intérieur? On peut les sortir? Oh putain, c'est près de Templar Park. Lucas, avec moi. Je l'ai pas dit, mais ce Renault il me fait trop penser au mec de Fringe. Là, c'est la série Fringe dans le mec du FBI. Je sais pas pour ceux qui regardent Fringe, la série. Il me fait trop penser au mec du FBI, c'est hallucinant. Il a des airs, du moins. Un jour ou l'autre, ça allait arriver. Je le savais. Une attaque sur notre propre sol. Nous devons riposter. Tu m'entends? Oui, chef. Chef, on a le message en diffusion. Le renseignement confirme que c'est la Black N. Aujourd'hui, Marc. Il y a
Vlad Kotiral. Localisez-le. On s'en occupe tout de suite. À présent, notre heure a sonné. Pour trouver les coupables, ne cherchez pas plus loin que votre voisin. Je leur avais dit, nous sommes en guerre. Ils pensaient qu'ils pouvaient gagner du temps. On aurait dû frapper en premier. Ne pas leur laisser la moindre chance. Ils ont du sang sur les mains, désormais. Chef, on signale une activité anormale sur le système Flyrel. Je veux voir tes images. Ils utilisent les rames comme des projectiles. Conduisez-nous au dépôt, on va les intercepter à la source. Redirection 5, 4, 9, 7, 1. Nous avons trois véhicules détournés, nombreuses signatures thermiques. Il y a des civils à l'intérieur. Descends et arrête ces rames. Allez! Allez! Oui, chef. Oh putain! Oh, je l'ai vu arriver en plus! J'étais en train de le regarder, je suis des sérieux quoi! Hallucinant! Vous avez vu le bordel? Il m'a roulé dessus quoi! Donc écoutez, sur cette belle mort, nous on va s'arrêter ici pour cet épisode. Franchement, que du lourd là. C'est vrai qu'il se passe des sales trucs. Maintenant c'est bon, ils s'attaquent à nous. Ils viennent de notre côté du mur pour faire bordel. Et là ils veulent s'attaquer à des traits en fait. Poser des mines partout pour faire tout péter. Donc ça réserve de gros moments épiques. Moi je vous dis à très très bientôt sur l'Onocu et prenez soin de vous, c'était Parano. Allez, peace.